Alors, on va parler environnement à présent et nous sommes en pleine période de vacances. Nombreux sont ceux qui choisissent les plages comme lieu de divertissement. Cependant, grande question, quel est l'état d'entretien de ce lieu de loisirs? Le constat de Téclair Mecuy, Mouvou. Alors que la période des grandes vacances semble amorcée pour certains, période au cours de laquelle l'entretien des plages est une préoccupation majeure, l'entreprise Averda, qui en a la charge, met les bouchées doubles pour garantir aux populations et aux visiteurs un lieu de balade et de baignade propre et agréable. Il faut relever que la période dite estivale, qui correspond à la saison sèche chez nous, est marquée par une forte fréquentation des lieux de plage, et en l'occurrence par nos touristes, par les visiteurs, par les habitants de Libreville et les vacanciers. Et nous sommes confrontés à un taux particulièrement élevé des baigneurs et des baladeurs sur la plage. Ainsi, une équipe s'emploie quotidiennement à collecter les déchets, utilisant parfois la grosse artillerie, telle le beach cleaner. Il prend le sable, oui. Il le fait monter, il filtre, il garde la saleté dedans là, et il ressort le sable. Alors, satisfait de l'état de la plage? Elle n'est pas sale, elle n'est pas aussi propre comme il se doit. Et pour l'instant, les enfants s'amusent, je pense que ça va. Nous marchons, nous regardons la plage, nous sommes là assis. Et tous les brigades de nettoyage de la plage, ils n'amènent pas. Ils seulement font valer les trottoirs et ils ne prennent pas les choses que la mer a amenées. On souhaiterait que la plage soit plus améliorée. Cela garantirait la santé par rapport à toutes les personnes qui y arrivent. Il y a des petits-enfants qui arrivent, des grandes personnes également. Dans tous les cas, ici, certains ne boudent pas leur plaisir. Entre baignade, balade et jeux sur la plage, on peut dire que pour ces derniers, les vacances commencent en beauté.